pour complaire à l'opinion publique. Il remet en cause plusieurs décisions de justice qui allaient toutes dans le même sens. Il y en a eu quatre au total. Hein. Pardon ? Il y en a eu quatre au total avec oui, deux jurés d'assises et deux demandes de libération conditionnelle qui ont été refusées. C'est ça, c'est-à-dire que, en fait, des jurés d'assises, c'est-à-dire des jurés populaires qui avaient été tirés au sort et donc toutes ces décisions de justice ont été prises en toute connaissance de cause avec la situation évoquée par Madame Sauvage, qui est maintenant prise en compte et portée par le président de la République. Mais toutes les décisions de justice n'étaient pas des décisions inhumaines, contrairement à ce qui a pu être dit, mais des décisions de justice prises de manière équilibrée par des gens humains. Et puis le président de la République, il met à mal toutes ces décisions de justice en n'ayant pas pris en compte toute la situation, contrairement aux décisions de justice, elles.